Notre culture, à tous. Oui. Voilà, d'où qu'on vienne. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. En attendant, les gauches se réunissent. Est-ce que les droites Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il préférablement aurait pu anticiper. Ministre de l'Intérieur, il préférablement aurait pu anticiper. D'ailleurs, il préférablement aurait pu anticiper. Mairie ou pompier, être utile est souvent un choix pas si facile. Parce qu'être utile, c'est choisir les autres. Alors, pour nous protéger, mes collègues agents territoriaux et moi, j'ai choisi d'adhérer à la MNT. Première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux. Mutuelle nationale territoriale, être utile est un beau métier. La météo sur radio. Côté météo, Rémi André, ce sera un petit peu de nuages, mais des températures plutôt agréables. Oui, effectivement, des températures qui dans l'après-midi seront plutôt douces hein, pour la saison, presque les températures de saison, légèrement au-dessus avec 19 degrés à Paris, 20 degrés à Bordeaux, 19 degrés à Toulouse, jusqu'à 23 ou 24 degrés à Marseille. Alors cette douceur s'accompagne malgré tout de pas mal de nuages sur toute la moitié ouest, hein, des nuages qui vont de la Bretagne à Normandie jusqu'aux Pyrénées, important ce matin un petit peu de pluie sur la Bretagne et Pays de la Loire, et quelques gouttes par-ci par-là dans le sud-ouest. D'ailleurs, dans l'après-midi, sur le sud du Massif central et surtout sur le piémont pyrénéen, là, la pluie sera un petit peu plus marquée sur la partie est. Et bien là, les nuages, les éclaircies partagent le ciel. Les éclaircies, le soleil brillera plutôt depuis le Rhône jusqu'à la Provence et la Corse. Et les températures, je vous disais, sont douces. Et nous allons avoir une semaine comme ça, plutôt douce et plutôt marquée par l'instabilité sur la. Une réclamation. C'est ce que prévoit aujourd'hui la loi telle qu'elle existe en France et telle qu'elle n'est pas appliquée. Et telle qu'elle n'est pas appliquée par le ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, donc Nicolas Bay, vous dites la même chose finalement que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que à la fois M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le préfet allemand auraient pu anticiper. Elle ne veut plus toucher à la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne veut pas remettre en cause la binationalité, elle ne veut pas remettre en cause la PMA sans père. Voilà, il y a un certain nombre. Il n'a pas publié, d'ailleurs, il l'a envoyé, ou il interpelle Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets. Il y a cette phrase: à Grenoble, nous veillerons à ce qu'aucun règlement intérieur d'aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination. Alors, il y a déjà eu, évidemment, des polémiques burkini dans les piscines de l'islam politique. Et enfin, la troisième, c'est que c'est vraiment un choix idéologique. Logique, parce que pour lui, les musulmans sont les nouveaux prolétaires. Et bien que ce soit du cynisme, de l'angélisme ou du fanatisme, le résultat comme dans 1984, banaliser, acclimater l'islam politique, et ça, c'est un problème, parce que, en fait, cette question... Les prolétaires sont libres. Ces jours-ci, c'est une ligne de fracture au sein de la gauche, ou pour... Et ben pour le barbecue du week-end, Lidl propose des travers de porc, des ribs original, à moins 19%. En ce moment, c'est 4,29€ les 500 grammes. 4,29€, ça suffit. Je ne vais pas ovationner. Il a changé. On dit non quand même sur la manière dont il est perçu. Bon, regarde bien le bout là. Côté politique, ce premier mai a été l'occasion aussi de rencontres et de discussions. Le Victorio, c'est plus les mêmes. Notamment, on va voir à droite. Les Insoumis et les Verts ont signé un accord. Cette nuit, ça discute encore avec les Verts. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement, cette union? Qui résiste un peu sur les deux mobilisations sociales depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le préfet allemand auraient pu anticiper. Ministre de l'Intérieur, et le préfet allemand aurait pu anticiper. D'ailleurs, et le préfet allemand aurait pu anticiper. Notamment, on va voir à droite, les Insoumis et les Verts ont signé un accord. Cette nuit, ça discute encore avec les Verts. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement, c'est cette union? Qui résiste un peu sur les deux mobilisations sociales depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, c'était plus de 210 000 manifestants selon les syndicats. Pour la police, les manifestants ont en tout cas bien décidé. Le président doit faire face à la colère de la rue. C'était un premier mai particulier, même après le second tour de la. Ce mouvement-là va montrer qu'il y a dans ce pays des forces qui veulent une autre politique. Les manifestants qui pourraient beaucoup. Ont voté à contre-cœur, se mis à être agents publics. C'est parti de ceux qui ont voté contre Marine Le Pen, qui ont mis un bulletin Macron dans l'urne. C'est pas un blanc-seing qu'on donne à Macron, et faut pas oublier, voilà, les travailleurs qui sont sur le terrain, ils ont des droits, et la retraite à 60 ans. Par exemple, on est contre, on considère qu'on donne suffisamment. Dans le cortège, l'espoir d'une gauche unie pour les. À droite à gauche, il se cachait, il emmenait de l'argent et un jour il a eu froid. Ils étaient dans un endroit où il taillait vraiment. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pablo Escobar? Il a fait un feu de billets. Il a fait un feu de camp, mais non. Le feu de camp il a fait avec des billets, combien? Je sais pas. $400 000 de feu de camp. Mais non. Pour pas que sa fille attrape froid. Est-ce que c'est de l'amour d'un papa ou est-ce que c'est de la folie? Je vous laisserai. Les deux. Il y a plus de 21 blanquettes, plus de 21 milliards de dollars. Et il y a environ 5%, donc il y a plus d'un milliard à chaque fois.
qui disparaissait, mangé par les rats, parce que c'était sous terre et ça, ils pouvaient pas gérer. Ça, c'est ouf. Et la dernière folie que j'ai découvert sur, sur cet homme. Ça, c'est presque drôle, c'est horrible, mais c'est presque drôle. Comment il a démarré un peu sa fortune, quand ils ont fait une perquisition chez lui, ils ont trouvé 12 zèbres. Et des zèbres, ça ne s'achète pas dans le commerce. Des zèbres, c'est des animaux. Il y a un vrai impact sur le métier, on a tous mis des annonces. Il y a 15 ans de ça, le métier de la restauration, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a trop de place. La grille des salaires a été revue à la hausse, plus 16% avec cet accord de branche dans la profession pour tenter d'attirer à nouveau. Mais le malaise semble plus profond depuis le Covid. Philippe Huertas est le président de l'UMIH de l'Ariège. Il tient l'hôtel Le Manoir d'Agnès à Tarascon-sur-Ariège. Le Covid, malheureusement, a montré qu'on pouvait vivre différemment, qu'on pouvait avoir une autre vie, peut-être trouver un métier différent avec des contraintes moins importantes au niveau des horaires. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions. Quels sont les horaires? Est-ce que je vais avoir mes week-ends, etc. Et c'est vrai que, bon, je comprends aussi que les employés peuvent avoir envie d'autre chose. En France, dans le secteur hôtellerie-restauration, 200 à 300 000 postes sont encore à pourvoir. Un reportage de Radio signé Christine Bouillon. Quelques mots de sport. Le RCT, hier en 14, victoire 29 à 16. Tout à l'heure, instable. 5e victoire. Instable, j'allais pas l'avoir. Tout le monde qui reste dans la course pour la qualification face de finale. Et vous avez raison. Apparemment, c'est une fracture au sein de la gauche. Une gauche républicaine qui veut évidemment que les grands principes soient respectés et la laïcité. Ça va jusqu'où? Ça, c'est la question que l'on se pose, cette laïcité. Parce que c'est le respect, évidemment. En fait, comme m'a dit religion. Et puis, une autre gauche aussi qui dit qu'il faut tout ouvrir, bien sûr, aller en fait beaucoup plus loin. Les résultats, ça se sent dans les discussions actuellement entre la France insoumise et puis ils peuvent pas les sortir. Un petit mot juste, un petit mot, c'est pas seulement, c'est pas seulement la laïcité, ce sont bien avant de sortir leurs frères, notre culture à tous. Voilà, d'où qu'on vienne. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. En attendant, les gauches se réunissent. Est-ce que les droites? Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il préférablement aurait pu anticiper. Ministre de l'Intérieur, D'ailleurs, il préférablement aurait pu anticiper.